Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour nouveau live et en particulier ce live poésie. Bonsoir. Donc ce soir on reprend le poème Vent qu'on finira vendredi et donc ce soir nous lisons la deuxième partie de Vent 3, à savoir de Vent 4 à Vent 6. Vent 3-4. Mais c'est de l'homme qu'il s'agit, et de l'homme lui-même. Quand donc sera-t-il question? Quelqu'un au monde élèvera-t-il la voix? Car c'est de l'homme qu'il s'agit, dans sa présence humaine, et d'un agrandissement de l'œil aux plus hautes mers intérieures. Se hâter, témoignage pour l'homme. Et le poète lui-même sort de ses chambres millénaires, avec la guêpe terrière et l'hôte occulte de ses nuits, avec son peuple de servants, avec son peuple de suivants, le puisatier et l'astrologue, le bûcheron et le saunier, le savetier, le financier, les animaux malades de la peste, la louaillette et ses petits, et le maître du champ, et le lion amoureux, et le singe montreur de lanternes magiques. Avec 12 hommes de patience, avec 12 hommes de sourire, les éleveurs de bêtes de grands fonds et les navigateurs de nappes souterraines, les assembleurs d'images dans les grottes et les sculpteurs de vulves à fond de crypte, les grands illuminés du sel et de la houille, ivres d'attente et d'aube dans les meubles, les joueurs d'accordéon dans les chaufferies et dans les soutes, les enchanteurs de bouges prophétiques et les meneurs secrets de foules à venir, les signataires en chambre de chartes révolutionnaires, les animateurs insoupçonnés de la jeunesse, instigateur des cris nouveaux et nourricier aux lourdes visions stimulantes. Avec 12 hommes de douceur, avec 12 hommes de sourire, sur les chemins de la tristesse, les tatoueurs de reines en exil et les berceurs de singes moribonds dans les bas-fonds de grands hôtels, les radiologues chaussons de castor, gardiens des lampes d'hivernage et lecteurs de gazettes au soleil de minuit. Avec 12 hommes de douceur, avec 12 hommes de patience au chantier de l'erreur, les ingénieurs balistiques, escamoteurs sous roches de basilic à coupole, les manipulateurs de fiches et manettes aux belles tables de marbre blanc, les vérificateurs de poudre et d'artifice, les correcteurs de chartes d'aviation, le mathématicien en quête d'une issue au bout de sa galerie de glace, l'algébriste au nœud de ses chevaux de frise, les redresseurs de tores célestes, les opticiens en cave, les philosophes polisseurs de verre. Tous hommes d'abîme et de grand large, et les aveugles de grand orgue, et les pilotes de grand air, les grands ascètes épineux dans leur bogue de lumière, et le contemplateur nocturne, à bout de fil, comme l'épère fascié. Avec son peuple de servants, avec son peuple de suivants, et tout son train de hardes dans le vent, au sourire, aux douceurs, le poète lui-même à la coupée du siècle, accueille sur la chaussée des hommes, et le vent à 100 lieues courbant l'herbe nouvelle. Car c'est de l'homme qu'il s'agit et de son renouement. Quelqu'un au monde délèvera-t-il la voix, témoignage pour l'homme, que le poète se fasse entendre et qu'il dirige le jugement. Vent 3-5. Je t'ignore, litige, et mon avis est que l'on vive, avec la torche dans le vent, avec la flamme dans le vent, et que tous hommes en nous, si bien si belles et si consument. Qu'à telle torche grandissante s'allumons-nous plus de clarté. Irritable la chair où le prurit de l'âme nous tient encore rebelle. Et c'est un temps de haute fortune lorsque les grands aventuriers de l'âme sollicitent le pas sur la chaussée des hommes, interrogeant la terre entière sur son air, pour connaître le sens de ce très grand désordre, interrogeant le lit, les eaux du ciel et les relais du fleuve d'ombre sur la terre, peut-être même s'irritant de n'avoir pas réponse. Et d'embrasser un tel accomplissement des choses hors de terrible rectitude. Il n'aille point dire tristesse si plaisant, dire tristesse si logeant comme aux ruelles de l'amour. Interdiction d'en vivre, interdiction faite aux poètes, faite aux fileuses de mémoire, plutôt l'aiguille d'or au grésillement de la rétine. Brouille-toi, vision, où s'entêtait l'homme de la raison. Le chasseur aux montagnes cousait d'épines sauvages les paupières de la plante. Nos vierges uniront aux portes du sophiste. Et comme un homme frappé d'aphasie en cours de voyage, du fait d'un gros orage, et par la foudre même mis sur la voie des songes véridiques, je te chercherai, sourire, qui me conduise un soir de même mieux que l'enfance irréfutable.
comme l'initié aux fêtes closes de la minuit, qui entend tout d'un coup céder le haut ventail de cèdre à la ruée du vent. Et toute torche renversée dans la dispersion des tables rituelles s'aventure ses pas, et le filet du dieu d'en bas s'est abattu sur lui, et de toutes parts l'aile multiple de l'erreur, s'affolant comme un sphinx, lui démêle mieux sa voix. Je te licencierai, logique, ou s'estropiait nos bêtes à l'entrave. Au porche où nous levons la torche rougeoyante, aux antres où plonge notre vue, comme le bras nu des femmes jusqu'à l'aisselle, dans les vaisseaux de grains d'offrande et la fraîcheur sacrée des jarres, c'est une promesse semée Dieu comme il n'en fut aux hommes jamais faite. La maturation soudain d'un autre monde, en plein midi de notre nuit. Tout l'or en fève de vos banques au saignée de l'État n'achèterait point l'usage d'un tel fond. Au fronton de nos veilles, soit 20 figures nouvelles arrachées à l'ennui, comme vierges enchâssées au brouillé des falaises. Contribution aussi de l'autre rive, et révérence au soleil d'en bas. Confiance à tout cet affleurement de monstres et d'astres sans lignage, de princes et d'hôtes sous le pchent, mêlant leur faune irréprochable à notre égir d'infidèles. Et toi, prends la conduite de la course, œil magnifique de nos veilles, pupille ouverte sur l'abîme, comme un navigateur nocturne penché sur l'habitacle, la fleur de feu dans son bol d'or, et, sous la bulle errante de l'ampoule, la noire passiflore aux croix sur la rose des vents. Vent 3-6. Tel est l'instance extrême où le poète a témoigné, en ce point extrême de l'attente que nul ne songe à regagner les chambres. L'enchantement du jour a cette naissance, le vin nouveau n'est pas plus vrai, le lin nouveau n'est pas plus frais. Quel est ce goût d'airel sur ma lèvre d'étranger, qui met choses nouvelles et met choses étrangères? À moins qu'il ne se hâte, on perdra trace, mon poème, et vous aviez si peu de temps pour naître à cet instant. Ainsi, quand l'officiant s'avance pour les cérémonies de l'aube, guidé de marche en marche et assisté de toutes parts contre le doute, la tête glabre et les mains nues, et jusqu'à l'ongle sans défaut, c'est un très prompt message qui met au premier feu du jour la feuille aromatique de son être. Et le poète aussi est avec nous, sur la chaussée des hommes de son temps, allant le train de notre temps, allant le train de ce grand vent, son occupation parmi nous, mise en clair des messages, et la réponse en lui donnée par l'illumination du cœur. Non pour l'écrit, mais la chose même, prise en son vif et dans son tout, conservation non des copies mais des originaux, et l'écriture du poète sur le procès verbal. Et ne l'ai-je pas dit, les écritures aussi évolueront, lieu du propos, toute grève de ce monde. Tu te révéleras, chiffre perdu, que trop d'attente n'aille énervé, usage de notre ouïe, nulle impureté souillée le seuil de la vision. Et le poète encore est avec nous, parmi les hommes de son temps, habité de son mal, comme celui qui a dormi dans le lit d'une stigmatisée, et il en est tout entaché, comme celui qui a marché dans une libation renversée, et il en est comme souillé, homme infesté du songe, homme gagné par l'infection divine, au point de ceux qui cherchent l'ébriété dans les vapeurs du chanvre comme un site, ni l'intoxication de quelques plantes solanées, méladone ou jusquiame, de ceux qui prisent la graine d'holodime rongée par l'homme d'Amazonie, Yagé, liane du pauvre qui fait surgir l'enfer des choses ou la plante pilue. Mais attentif à sa lucidité, jaloux de son autorité, et tenant clair au vent le plein midi de sa vision. Le cri perçant du Dieu, qu'il nous saisisse en pleine foule, dans les chambres, et par la foule propagée qu'il soit en nous répercuté jusqu'aux limites de la perception. Une aube peinte sur les murs, buqueuse en quête de son fruit, ne saurait nous distraire d'une telle adjuration. Et le poète encore est parmi nous. Cette heure peut-être est la dernière, cette minute même, cet instant. Nous avons si peu de temps pour naître à cet instant. Et à cette pointe extrême de l'attente, où la promesse elle-même se fait souffle, vous feriez mieux vous-même de tenir votre souffle. Et le voyant n'aura-t-il pas sa chance, l'écoutant sa réponse. Poète encore parmi nous, cette heure peut-être la dernière, cette minute même, cet instant, le cri perçant du Dieu sur nous. Et c'est la fin. Et c'était assez obscur, mais une fois quand même les références aux États-Unis. Et c'est délicat à comprendre. Je suis pas sûre que j'étais assez en forme pour tout comprendre. Je vous souhaite une très très belle soirée.
et vous dis à demain pour la suite de l'art de gouverner ses esclaves, donc à 13h, où nous parlerons de la torture. Donc, c'est pas vraiment tout public. Et à 17h pour la suite de Vent, où nous lirons du coup le début de Vent 4. Je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.